Voilà, salut tout le monde! Bon samedi à tous! J'ai Ten Green qui est là. Parle Ten Green! Bonjour à tous. Ah, voilà, il est là! Maintenant, je vérifie tout le temps, parce que moi et le son, c'est toujours compliqué, hein. Oh, Dragon Hunter, et garde-en un peu pour toi, Dragon Hunter, le mois n'est pas fini, hein! J'espère que ton frigo sera pas vide, hein, viens pas te plaindre, hein! Tu seras entièrement responsable de ta faim! Merci, mec! Bon, comme je disais à Ten Green, la minute spatiale, c'est un peu la minute SpaceX. Hein. J'ai des choses à montrer ailleurs, mais je suis désolé, mais SpaceX, c'est encore, comme d'habitude, ça va être 80% du truc, quoi, du sujet d'aujourd'hui. Et c'est pas de ma faute! C'est littéralement les chiffres et l'actu, quoi. Au moins, il y a des choses à montrer. Ça bouge. Mais j'aimerais bien que ça bouge pas que chez SpaceX, quoi. Hein? C'est rien passé en Europe, il se passe rien, c'est chiant, ça fait chier. Bon bah heureusement qu'on a SpaceX qui met les bouchées quintuples et qui fait du SpaceX quoi. Bon, on a quand même des news. Regarde Ted Green, c'est une longue marche 2F. Alors, c'est censé décoller Ted Green dans 3 jours, on n'a pas le nom des taïkonautes qui vont à bord. Hein. La Chine, hein. Les Chinois ont Typique été. chinois. Ouais, on est d'habitude, ils font, on le sait, il y a conférence de presse et tout. Et là, j'ai vu absolument aucune nouvelle sur qui allait faire la mission Shenzhou 19. Donc ouais, c'est les Chinois aussi sont au taquet et bah, c'est l'heure de faire une rotation. Donc on a la fusée Opad, mais on n'a pas le nom des taïkonautes, ce qui est très curieux. D'habitude, les Chinois font beaucoup de com sur leur vol habité. Là, ils ont été plutôt discrets, donc aucune idée. En tout cas, on va avoir très prochainement une nouvelle rotation à Tiangong, c'est le nom de la station. Très belle fusée. Très belle fusée et très pratique aussi. La longue marche de F, elle est utilisée pour les vols habités. Donc, ouais, on la voit très, très régulièrement. Donc ouais, les Chinois, ils continuent de tirer comme des zinzins. Hein. Cette semaine, on a eu un autre tir. Là, encore une autre longue marche. Hein, une longue marche 6. Pour la nouvelle constellation chinoise. La constellation des 1000 voiles. Qui est simplement le Starlink chinois. Donc le premier vol, ils avaient eu quelques soucis avec le deuxième étage qui s'était désintégré. Donc là, c'était le deuxième vol qui, visiblement, s'est mieux passé. Donc ouais... Ah! Attendez, j'ai pas mis le son dans le casque. Que vous entendiez le bruit des... Le bruit du décollage, quand même. Voilà! Ah, je crois que le truc. Mater un peu l'engin! Donc, je crois que le stream part, hein, par contre. Ah ouais? Ça plante sur Twitch. Je sais pas si sur vous YouTube, ça plante aussi. Très prochain. Ah ouais! J'ai le même problème de lag que. Allez sur YouTube, les mecs! Allez sur YouTube, je crois que YouTube fonctionne mieux. Allez sur Je peux l'écrire YouTube. dans le chat, je pense. Hop là, c'est Twitch qui lag. Mais ça, c'est pas que moi. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de problèmes récemment. Allez sur YouTube, tout simplement. Allez sur YouTube Sur et YouTube. voilà, tout simplement. Peut-être que Twitch ça va aller mieux, mais en tout cas. Ah oui, le stream s'est carrément coupé. Ouais. Ah, je vais me faire copyright claim pour ça. Voilà. Le stream a carrément coupé, donc à voir. Peut-être que ça va. Ted Green, tu gardes un œil dessus. Et tu me diras, voilà. Non, non, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi parce C'est que revenu. C'est revenu. YouTube fonctionne très bien. Donc Bah c'est c'est. revenu du coup sur Twitch. Là, je sais pas ce qui s'est passé du coup. Ouais, bah, je sais pas. On verra bien. En tout cas, les Chinois sont chauds et ça tire. Donc pour leur orbite. Donc ouais, pour leur nouvelle constellation. Et je peux vous dire que les satellites chinois sont incroyablement lumineux. Je vois systématiquement des astronomes se plaindre. C'est pas une question de Shadowban, c'est une question de problème de serveur, mec. Parle pas de ce que tu connais pas. Donc ouais, et les astronomes, ils sont pas prêts pour la nouvelle constellation chinoise qui arrive, qui va être incroyablement lumineuse. Les Chinois, ils en ont rien à foutre des astronomes. Voilà. Ça va être très très drôle de voir les gens chialer. Eh ouais, monde cruel, on peut. Dans la vie, il y a tout le temps des baiseurs et des baisers. Et je plains les astronomes, mais
pouvez pas arrêter la marche du mouvement, les mecs. Si c'est pas Starlink, ce sera les Chinois, ce sera Taïwan, ce sera les Indiens. Voilà. Pour quelle raison ce serait plus lumineux ? Différents types de satellites, différents types d'orbites, et le fait que Starlink a fait beaucoup d'efforts pour essayer, entre autres, de réduire certaines émissions lumineuses et radio, alors que les Chinois en ont strictement rien à péter. Voilà. Et c'est comme ça que les Chinois sont, hein, tout simplement. Donc ouais, alors, très intéressant, tu sais, TenGrade, ils veulent mettre plusieurs milliers de satellites en orbite. Le problème des Chinois, c'est qu'ils sont aussi limités par le nombre de tirs. Et maintenant qu'on a le modèle de SpaceX, qui arrive à beaucoup tirer grâce à la réutilisation des boosters, il y a des mecs qui ont fait les maths avec les fusées chinoises, et il est arrivé à la conclusion que les Chinois sont dans le mur en termes de logistique de tir, qu'ils n'ont simplement pas assez de lanceurs par rapport au nombre de pads et au nombre de fusées disponibles, et les mecs ont fait les maths de chaque fusée qui est disponible, sachant qu'ils détruisent tout. Ils font pas de réutilisables. Et ce qui peut expliquer le rush qu'on a en ce moment en Chine autour du réutilisable, on a près de 3 compagnies qui se suivent et qui se tirent la bourre pour faire du réutilisable. Parce qu'il y a sûrement un énorme marché à apprendre en Chine pour les tirs et la réutilisation des boosters, des tirs de leur constellation Starlink. Et alors ouais, hein. Business, le business qui se nourrit de lui-même. Hein, ce que fait, c'est l'écosystème qui a mis en place SpaceX pour tirer leur propre Starlink et qui, au final, l'argent circule. Hein. Donc ouais, on va sûrement voir des longues marches 6 assez régulièrement voler. Une jolie photo! Regardez, c'est la première photo des moteurs BE4 de la New Glenn intégrée. Les 7 moteurs BE4. TenGrade, elle est belle la photo, hein. On voit que c'est solide, hein. De ce que j'ai compris de la trajectoire de la New Glenn, TenGrade, elle va pas faire comme une Falcon 9 ou un Starship. Et ça va faire une réentrée extrêmement agressive. Donc ça explique le blindage du merdier, en fait. Là, vraiment, Je suis curieux, du coup, de leur plan de vol. Parce que, putain, oui, s'ils font un blindage aussi agressif que ça... Donc ouais, voilà les donc la New Glenn. Alors j'ai vu une source qui disait qui elle est bien informée de la FAA que ça serait plutôt pour décembre que novembre. Mais en tout cas, on va sûrement avoir un rollout. Taconda, merci pour tes 39 mois. Merci beaucoup. 39 mois, ça fait beaucoup. Merci. Donc ouais, on va sûrement avoir un rollout imminent en novembre de la New Glenn. Donc là, sur les 7 moteurs BE4. On en a 3 qui sont alors ce qu'ils appellent en anglais gambling, pour manœuvrer en fait. Donc ils peuvent les faire bouger. Donc ouais, on attend. Moi je cache pas, hein, j'ai hâte de voir la New Glenn, hein, TenGrade. Hein. Il faut de la concurrence qui fonctionne. Et s'ils arrivent du premier coup à faire atterrir leur fusée sur leur barge, ça serait mieux. On voit TenGrade que ça a accéléré quand même, Agne. Chez Blue Origin, hein, depuis 4-5 ans, et qu'ils attendaient. Depuis qu'ils ont eu un changement de management, il y a un nouveau patron qui est arrivé, et Bezos a dû lui donner les mains libres, tu me fais accélérer tout ça. Parce que quand tu vois SpaceX de l'autre côté qui récupère du Starship, tu dois peut-être commencer à t'inquiéter de ton rythme, en fait. Donc ouais, ça bouge, c'est Blue Origin, et c'est bien. Il faut que ça bouge dans l'industrie. Quand vous avez un mec plus fort, il faut que ce soit un modèle, il faut que ce soit une locomotive technologique. Et SpaceX est une locomotive technologique. Aux autres, après, de prendre le train ou de rester à la traîne, les Européens ont fait le choix volontaire. C'est les mots de Stéphane Israël, de rester à la traîne. Voilà. Donc, mais il y a des gens qui ne veulent pas rester à la traîne. Donc Blue Origin veut pousser. On a ULA aussi. Regardez, on a déjà une nouvelle Vulcan en train d'être stackée, TenGrade. Et c'est pour les Space Force USSF 106. Les Space Force, il semblerait, ont donné leur accord à ULA, malgré le petit problème qu'ils avaient rencontré avec la tuyère du booster qui avait fait boom, mais les moteurs BE4 avaient magnifiquement corrigé le tir qui aurait pu virer au désastre. Donc les Space Force ont dû s'estimer être contentes du tir, et du problème et des solutions qui peuvent être implémentées, et elles ont donné leur accord. Donc le troisième tir sera pour les Space Force, sachant que j'ai pas des bonnes nouvelles pour Dream Chaser. Dream Chaser a rencontré des problèmes dans ses essais à vide en Floride, et s'est déplacé probablement fin Q1 début Q2 2025. Donc on verra pas de Dream Chaser avant encore un petit bout de temps, mais c'est pas grave. On voit que les Vulcan, c'est pas ce qui manque, hein, TenGrade, t'es en compte là, ils vont peut-être réussir à tirer une Vulcan en un mois et demi, deux Vulcan en un mois et demi, alors qu'ils viennent de lancer les chaînes de montage. C'est de bon augure pour ULA
d'avoir une fusée performante, j'allais dire bon marché, mais pas vraiment. La Vulcan vaut cher quand même. Mais pour moi, ce qui compte surtout, c'est les BE-4, ils arrivent à suivre la cadence, quoi. Bah écoute, à ma grande surprise, ils arrivent, ils en ont 7 au cul de la nouvelle New Glenn, et ils arrivent là déjà, ça fait 6 avec les 3 Vulcan qu'on a vus. Donc preuve que Blue Origin arrive à produire ses BE-4 en série désormais, et à les tester. Ça, on voit combien en orbite va avoir sur Wikipédia. Je fais pas trop de maths et tout ça, ça intéresse pas forcément les gens. Chaque fusée a ses particularités, ses orbites où ils vont être confortables en termes de charge. Donc ouais, va voir sur Wiki plutôt, j'évite les maths. Donc ouais, ça sera pour les Space Force. Donc, ça, c'est le deuxième étage, Centaur 5, magnifique. Maté le monstre, qui est aussi en train d'être stacké. Donc ouais, on va encore avoir une Vulcane avant la fin de l'année, sûrement. On a une fin d'année folle, hein. Oh là 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 là, et attendez, c'est pas fini, hein. On va reparler de Starship et de la semaine de zinzin qu'on a eue. Pendant ce temps que les Chinois se préparent à faire une rotation, on avait aussi une rotation à l'ISS, puisqu'on avait le retour de Crew 8, l'équipage qui était là-haut. On a fait monter Crew 7, faut redescendre, on a fait monter Crew 9, faut faire redescendre Crew 8. Donc on avait Alexander Grebenkin de Roscosmos, et 3 Américains. Donc ouais, ça, il y a un an, 2 ans, j'aurais regardé l'arrivée en live et tout. Là, plus personne n'en a rien à foutre. C'est terrible, hein. Mais tu savais, Ten Green, au moins, que Crew 8 devait redescendre, hein. Non. Non, mais... Je sais pas trop. Mais il n'y a pas de Après, toi. Ils ont tous fait plus de 200 jours, hein, quand même, en termes de, ouais, temps de vol. Ils ont tous fait presque 6 mois. C'est quand même des... Mais c'est devenu la routine. Comme prendre l'avion. Tu sais, même nous, ouais, bah, on sait que tout se passe bien, qu'il y a... Et voilà, quoi. Donc ça, ça a été pris directement. C'est la réentrée. Alors, pour ceux qui sont intéressés, attendez, je vais vous montrer la trajectoire exacte de la réentrée. Donc, la réentrée, elle se fait dessus le Mexique. Et après, ils essaient d'arriver au large des côtes. Floride, Louisiane. Comme ça... On a des tours des combinaisons de SpaceX. Bah écoute, personne n'est mort, donc on pense qu'elles sont pas mal. Non, moi j'ai rien lu de retour en tout cas des combinaisons. Tu fais peut-être allusion à Polaris Dawn. C'est pas c'est des combinaisons pour intravéhiculaire, c'est pas forcément des combinaisons très adaptées, voilà, pour les EVA et des trucs comme ça. C'est des combinaisons comme Gemini qu'ils avaient pour le programme Gemini, hein. C'est relié au vaisseau, ça peut pas survivre si t'es pas relié. Donc ouais, c'est des combinaisons un peu particulières, faut pas aller chercher à les comparer aux combinaisons standards qu'on a pour faire des EVA de 8 ou 9 heures, quoi. Donc ouais, voilà pour la trajectoire de réentrée. Et vu qu'il faisait beau, ça a été filmé. Donc voilà ce que ça donne quand le véhicule est en phase finale. We have you the same. Great news there, communication, blackout period. On voit rien. Heureusement que Ten Green est là, hein. Attendez. J'attends toujours un petit peu parce que je sais que j'ai du calage forcément entre ce que j'entends. Voilà, regardez. C'est bon. We have you the same. Great news there, communication, blackout period. Heureusement que Ten Green est là pour la partie technique. We have you the same. Donc là, c'est vraiment à la fin de la réentrée après le blackout. Blackout period. Ouais. Et hop là, on a eu après la réentrée, les parachutes. Comme je dis, c'est devenu très classique désormais. Tout le monde fait ça très bien. SpaceX sont devenus très très forts là-dedans pour tout récupérer. Ça fait toujours des belles photos. Et au final, ils ont eu la sortie de la capsule. Alors, ils ont eu un problème médical avec un des mecs. On sait pas ce qu'il y a eu, avec qui, même pas, mais on sait qu'il y a eu un pépin médical, mais pas grave, puisque le mec a été amené en urgence à l'hosto et il n'y a pas eu de complications. Mais bon, après 6 mois dans l'espace, c'est des choses qui peuvent arriver, d'avoir
Le corps, d'un coup, vous lui remettez de la gravité dans la gueule, la gravité terrestre, et il y a des choses qui peuvent mal se passer au niveau de soi, les nerfs optiques et tout. Il y a tellement de complications possibles, même en étant en bonne forme physique, vous avez des risques. Et on maîtrise mieux ces risques qu'il y a 30 ou 40 ans, quoi. Il y a 30 ou 40 ans, les mecs, ils passaient 6 mois dans l'espace, ils étaient morts, ils pouvaient plus marcher. Ils étaient tellement, totalement cuits. Aujourd'hui, on arrive à limiter beaucoup d'effets secondaires avec la pratique du sport. Dans l'ISS, ils font du sport tous les jours. Je crois que c'est 1 ou 2 heures de sport, Tengrin, quelque chose comme ça, par jour. Ça, ne serait-ce que la masse, pour garder de la masse musculaire, même si votre densité des os va diminuer. Hop là. Tac. Voilà, je crois que ça, c'est le cosmonaute de Roscosmos qui vous fait coucou. Voilà. Là, le mec, après, on va voir si c'est... Est-ce qu'ils ont tous fait 200 jours, mais il y en a un seul qui a fait 400 jours, donc est-ce que c'est lui qui était dans le mal ou c'était un 200 jours? Alors, je sais que les... Généralement, les Américains, Tengrin, ils n'aiment pas changer leur personnel de capsule. Tu vois, c'est-à-dire, tu pars avec Crew 8, tu reviens avec Crew 8. A contrario, on sait que les Russes n'ont pas de problème à faire des switches de personnel et laisser plus longtemps quelqu'un et tout ça. Ils s'en foutent, les Russes. Donc ouais, on a déjà vu des Russes rester plus longtemps et faire des switches. Donc ouais, à voir qui est resté combien de temps. Est-ce que j'ai pas la date des... Attends, je vais retourner au début. Hop, est-ce que j'ai pas le temps qu'ils sont restés... Tiens, regarde, 235 jours, 446 jours. Putain, il est resté plus d'un an. 235 jours, 235 jours. Ok, il y en a 3 qui sont montés ensemble. Et Michael Barrett a dû faire un switch. Et il a fait une EVA de 30 minutes. Pas de VA. Ah non, c'est overall space flight. Au total, Michael Barrett, je pense, overall, c'est le temps de sa carrière. Donc ça doit être sur... Ah oui, ça. Il a fait EVA, ISS 70, c'est ça. Voilà, c'est ça. 71. Ouais, EVA, for, ouais. Et 440 au total. Donc il a passé plus d'un an de sa vie en espace, les mecs. Pas mal, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça au monde, hein. Il y en a des connards, hein. Mais lui, il fait partie des gens qui peuvent dire qu'il a passé plus d'un an de sa vie dans l'espace. Et il est toujours là, et probablement qu'il fera peut-être d'autres missions selon son âge. On sait qu'on a des astronautes qui vieillissent pas trop mal, en général, voilà. Le cosmonaute oublié à la chute du mur, ça a été un problème, mais le mec est resté très très longtemps là-haut. Et il est revenu, hein. Donc ouais, on va parler maintenant, bon, techniquement c'était SpaceX, mais maintenant on va parler encore un petit peu de la semaine folle de SpaceX. Ce tableau est déjà obsolète. Ça, c'est les fusées qui ont été le plus lancées cette année. Regardez les chiffres. Vous noterez que dans le tableau, il n'y a même pas une seule fusée européenne. Et ouais, le chiffre est obsolète, puisque la Falcon 9 est à 101 ou 102, je crois, à Tengrin déjà. C'est-à-dire que quand j'ai sorti le tableau, quand j'ai vu le tableau il y a 5-6 jours de cela, et que je l'ai mis de côté, il y a eu encore pas mal de tirs cette semaine. Donc ouais, c'est même terrifiant de voir que Starship, qui est un prototype, Starship, bah, il est devant quasiment tout le monde. Oui, les Chinois ont la chance, énorme d'avoir une très grosse gamme de lanceurs différents. Très pratique pour eux, parce qu'ils ont des micro-lanceurs, donc selon les besoins, ils peuvent tirer des satellites, un satellite en particulier, ils peuvent aller sur plein d'orbites différents. C'est une chance incroyable qu'ont les Chinois, avec la diversité de leur industrie, c'est d'avoir une grande versatilité de lanceurs pour des missions différentes. Et donc ouais, on voit que on a tiré plus de Falcon 9 que le reste de la planète ensemble, quoi. Ça vous donne un petit peu... ça fait mal pour l'Europe. Mais ouais, l'Europe n'existe plus, les mecs. L'Europe est un pays mineur du spatial aujourd'hui, au niveau des lancements. On a tiré... L'Iran a tiré et la Corée du Nord ont tiré autant que l'Europe. Ça vous donne une idée. Donc ouais, t'as suivi un peu la semaine de SpaceX au niveau des lancements, Tengrin? Oh non, il y a trop. En 13 jours, moi j'ai fait les maths, en 13 jours, ils ont tiré 8 fois. Ils ont tiré 8 fois en 13 jours, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Dans les 8 tirs, il y a eu 4 missions Starlink. Donc, vol en interne pour la constellation. Il y a eu un Starshield pour les Space Force.
Donc maintenant, SpaceX non seulement tire leur constellation Starlink, mais ils tirent aussi pour la nouvelle constellation du Pentagone, Starshield, c'est leur nom. Vous allez souvent entendre parler de Starshield. C'est un très gros contrat, plusieurs milliards. Et ils ont tiré aussi pour OneWeb. OneWeb, le concurrent indirect de Starlink. Donc OneWeb, et ils ont tiré une Falcon Heavy avec la plus grosse sonde jamais tirée par la NASA direction la Lune de Jupiter Europe, pour la mission Europa Clipper. Et ils ont tiré Starship, le vol 5 de Starship. Vous comprenez qu'en 13 jours, ils ont tiré toute leur gamme de fusées et ils ont tiré pour eux, ils ont tiré pour des clients. C'est fou. C'est fou. Donc les... ouais, 8 tirs en 13 jours. On va aller voir un petit peu les certains tirs. Hop là. On va aller voir... ça, c'était le tir pour Starshield. Donc c'était pour les Space Force. Ça veut aller sur des orbites un petit peu particulières, entre autres des orbites polaires, vu que ça va être beaucoup de satellites de renseignement et tout ça. Et voilà ce que ça... Donc là, on était à Vandenberg, en Californie. Donc là, c'est un vol pour les Space Force. On voit que les coiffes sont déjà utilisées. Je crois que c'était le Ten Green, le 18e vol de ce booster. Ten Green, les Space Force en ont plus rien à foutre. Great call out. Falcon 9 is in startup. The internal flight computers have now taken control over the... Je me rappelle juste que ce soit tiré. Voilà, je me rappelle d'une époque lointaine où ils voulaient que du neuf. Maintenant, ils en ont plus rien à foutre. And great news, we are go for launch. Let's listen and watch as Falcon 9 takes the NRO payload into space. 8 tirs, toute la gamme et pas un seul échec. C'est terrifiant d'efficacité. Les deux coiffes, pas de la même couleur. Bah parce que c'est deux coiffes différentes. SpaceX, à propos des coiffes, on a une vidéo incroyable qui est sortie cette semaine sur les coiffes. Et bah les coiffes sont réutilisées. Certaines coiffes ont plus de 20 utilisations. SpaceX a économisé plus d'un milliard de dollars de coiffes depuis le lancement du programme de récupération de coiffes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Là, c'est pas des satellites Starlink, mais c'est un peu la même chose, c'est des satellites Starship. C'est des satellites militaires. Le Pentagone veut sa propre constellation. Ils ont vu à quel point Starlink était efficace. Donc il y a beaucoup d'interrogations sur Starshield, sur ce que peut faire Starshield. On ne le sait pas encore. Sûrement de la communication, du renseignement, de la guerre électronique. C'est la même technologie, absolument pas. C'est peut-être le même principe. Mais j'avais lu des choses très intéressantes sur Starshield que ça peut faire de l'imagerie. Donc le but serait de faire de l'imagerie permanente. Tu vois le truc ? C'est pas un satellite qui passe. C'est comme t'as une constellation, tu peux faire de l'imagerie en permanence, du même endroit. Parce que quand le satellite part, on a un autre qui arrive. Et t'as en permanence l'image du même endroit. C'est... terrifiant, ça. Terrifiant. Avec l'humanité, tu vois tout le temps les mecs qui passent, et comme plus besoin de droit ni rien, t'as directement cette satellite qui tire. Tout le temps. Donc c'est absolument terrifiant, la pensée de... C'est de l'or, mais bien sûr que c'est de l'or. Je dis souvent que les Space Force adorent SpaceX, mais SpaceX leur apporte des solutions incroyables à un coût incroyable. Highest amount of structural load on the vehicle. Coming up next, we will have a few events ADS, very quickly in succession. Merci mec, bon live à toi aussi. Stage separation. COP. Ça s'appelle de l'investissement et de l'innovation et de la technologie. Tout simplement. C'est ça être OP. C'est quand l'innovation est de ton côté. Those nine engines will shut down. That helps slow the vehicle down in preparation for stage separation. Du positionnement. Et tout, on ne sait pas trop encore. Vous pouvez vous en douter, les Space Force sont très discrètes sur Starshield. On a le montant des contrats, mais on ne sait pas exactement ce que Starshield peut faire. On a beaucoup de suppositions. Et sans aucun doute que ça va aussi faire du Starlink. Le but sera de faire les mêmes choses que Starlink, sauf que cette fois, le Pentagone n'aura pas à demander la permission à Elon Musk pour faire certaines choses. Combien de satellites ? On n'en sait rien. Là, à bord, je crois qu'il y en avait une vingtaine. Ils vont pas nous donner les capacités, absolument. D'ailleurs, vous verrez même pas les vues intérieures. Les Space Force refusent, à juste raison, qu'on filme les charges utiles. Donc vous verrez jamais à quoi ressemble un satellite Starship. Les Space Force sont prêts à payer beaucoup plus cher
pour avoir ce genre de privilège de décider de tout ce qui est montré au niveau image et de contrôler l'image. Et ils sont dans leur droit, hein. C'est eux les clients. Beautiful views. We had Miko, stage separation, as well. Le booster va retourner se poser à Vandenberg, en Californie. Là, on voit le Pacifique et la côte californienne. Making its way back down to Earth and a great view there with the grid fins deploying. Que Starlink serait pas rentable, les écoutez pas, les mecs. Vous savez, à la fin de la journée, ils sont déjà de, Q3 2024, ils étaient neutres. Je suis prêt à parier que Q4 2024, Starlink étant positif. Et les chiffres de Starlink sont totalement déments. J'insiste. Les chiffres de Starlink, en termes d'utilisateurs, sont en train d'exploser aux quatre coins du monde. Que ce soit des particuliers ou des grosses compagnies, des compagnies aériennes et tout ça. Donc de l'argent, ils vont en faire énormément. Ouais, il y a un petit satellite de Boeing qui a eu un petit problème en orbite. Oh là là, magnifique. Donc ouais, là je vous montre un tir. Mais techniquement, ils en ont fait 6 comme ça. En quelques jours. Tu as vu la vidéo de Qatar Airways? Ouais. Mais Qatar Airways, comme je dis, toutes les compagnies, les grosses compagnies sont en train d'embrasser Starlink parce que c'est une question de concurrence. Si votre concurrent a Starlink gratuitement, bah votre concurrent a un avantage sur vous. Donc tout le monde, d'ici, allez, un an et demi, je pense que toutes les grosses compagnies de la planète seront sur Starlink parce que les performances sont incroyables. Plusieurs sat? Non, j'ai lu un seul satellite, moi, qui a eu un problème. Et c'est un seul satellite qui a eu un problème. Les satellites explosent pas comme ça, c'est très rare. Et c'est un satellite en géostationnaire qui a eu un problème. Et on sait pas à quoi est dû le problème, si c'est un problème de propulsion ou un autre débris qui a percuté. Pour le marathon, de regarder tous les... Mais tu sais que je regarde quasiment déjà tous les vols de SpaceX. Ça serait même pas un sub goal. Bon, on va avancer un petit peu, on va aller voir l'atterrissage. Reignite three of those Merlin M1D engines. This helps our stage looking equal down even more. 67. Voilà. Stage 1 entry burn shutdown. Ah mais Starlink est une super technologie. Et attendez que les Starship V2 soient là avec les Starlink V2. Parce que là, il y a les Starlink, là, ce qui tire, c'est les Starlink V2 mini. Et il y a les Starlink V2 normaux, et eux, ils attendent d'avoir Starship pour tirer. Et les performances de Starlink vont être démentes avec Starlink V2. On parle presque d'une fibre optique en termes de qualité. Oh là là, les vues. Ah non, il va se poser au bateau drone, j'ai des bêtises. Enfin, il me semble. Non, non, il va se poser en mer. Il va se poser en mer, il retourne pas se poser à... We do only use one single engine for that landing burn. Stage 1 transonic. Stage 2 FTS is saved. Dans le département de la Creuse, Starlink explose. Bah, c'est logique. Partout, t'as des zones grises avec des mauvaises connexions internet. Starlink est un super compromis, tant au niveau personnel que professionnel. Et ça coûte même pas si cher que ça. Je sais qu'en France, l'internet est pas si cher, mais pour avoir une très bonne connexion internet, les gens sont prêts à mettre de l'argent. Et même pour travailler. Aujourd'hui, t'es une compagnie. T'es obligé d'avoir internet pour bosser. Stage 1 landing burn. Oh là 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 là. Let's watch as Falcon 9 touches down and of course I still love you. Landing light deploy. 40 euros par mois, c'est cadeau. Tu payes. Alors là, la parabole doit être à 500 boules peut-être. Stage 1 landing confirmed. Regardez ça. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ça, ils l'ont fait 6 fois cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 6 fois. Ils l'ont fait 6 fois. Ils ont récupéré 6 boosters. C'est terrifiant, hein. Donc ouais, donc je vois souvent des gens qui me disent « Oui, mais PP, SpaceX, ils tirent que pour eux et tout ça. » Ils ont pas tort. Donc prenons par exemple 100 tirs de Falcon 9, ok? Sentir Falcon 9 cette année. Tangerine, on n'est même pas en novembre. Ils peuvent... s'ils mettent les bouchées doubles,
Ils peuvent aller jusqu'à peut-être 120, 130, hein, en 2 mois. Donc, et prenez 100 vols, d'accord? On a nos 100 vols. Disons que Starlink, en termes de manifesto, ça fait du 60-40, 70-30. On va prendre 70-30. C'est-à-dire que la Falcon 9 vole à 70% pour Starlink. Ça nous fait encore 30 vols pour des clients privés. Que ce soit la Commission européenne avec Galileo, que ce soit pour OneWeb, que ce soit pour des simples compagnies de télécom qui veulent mettre leur satellite en géostationnaire. Ça fait quand même 30 vols pour des particuliers qui sont contents d'avoir des boosters qui ont déjà volé parfois 20 fois. Rien qu'avec ça, SpaceX gagne de l'argent. D'accord? C'est assez dingue. C'est souvent, je vois les gens qui me disent « Oui, mais SpaceX ne tire que pour eux. » C'est faux. C'est faux. Rien que cette année, ils sont seulement à plus de 30 tirs. À 30 tirs pour des entités qui n'ont rien à voir avec Starlink. Donc preuve qu'ils sont déjà majoritaires. Ils sont déjà en monopole. Ils sont en monopole, hein, si vous n'avez pas compris. Hein. C'est eux qui récupèrent tous les tirs. Parce que personne d'autre ne tire. Ariane ne tire pas. Et oui, Ariane ne vole pas, les gars. La dernière fois que j'ai vu, j'ai pas vu d'Ariane voler récemment. À part le premier tir qui était à vide. ULA commence tout juste à émerger avec la Vulcan et privilégie les Space Force parce que c'est là qu'est l'argent. Et il n'y a personne d'autre pour tirer. Les Indiens tirent pour eux-mêmes, les Japonais tirent pour eux-mêmes, les Chinois tirent pour eux-mêmes et les Russes, via la guerre en Ukraine, sont coupés de l'écosystème mondial de l'aérospatial. Donc ils tirent que pour eux-mêmes et pour certains de leurs partenaires, comme l'Iran. Pour faire simple, avec 30 tirs dans l'année, c'est l'ensemble du marché. C'est compliqué hein, de faire de l'argent sur un marché aussi saturé. Il n'y a pas beaucoup de... SpaceX a trop de fusées par rapport aux parts de marché. Donc voilà, ça vous... souvent le lancement lui-même, bah, le marché est petit. Et on est sur du 30-40 par an en ce moment. Le monde occidental, en tout cas, compris, voilà. Donc ouais, c'est intéressant de voir que SpaceX bah, a simplement le monopole. Voilà. Bon. Donc voilà pour les 6 tirs de Falcon 9 en quelques jours. Passons à Starship maintenant. Parce que les nouvelles sont absolument folles. Ça déjà, c'est le bateau de récupération qui vient récupérer le Hot Stage. Vous vous rappelez du Hot Stage? C'est l'anneau métallique qu'il y a entre Starship et le booster. Bah lui il tombe à l'eau, et on sait qu'il est tombé juste au large de Boca Chica, et bah le bateau est allé le récupérer. Ils ont récupéré le hot stage, et le machin, bon il pourra pas être réutilisé la hein. Tu bâches, toi. Il pourra pas être réutilisé, mais les mecs étaient là, mais attendez il est en super bon état. Putain, il y en avait pas mal qui disaient bon bah il va être pulvérisé et tout, et en fait ils sont allés le récupérer, et le machin étant... en très bon état, il n'est pas même pas en morceaux, vous voyez, donc le truc là, il a bien résisté à l'impact. À voir pourquoi SpaceX le récupère. Est-ce que c'est la FA qui les a fait chier? Peut-être que c'est pour troller la FA en disant, regardez votre machin là, où vous vouliez qu'on fasse une étude sur l'impact avec les requins, on le récupère, vous êtes content? Arrêtez de nous faire chier. Et ou alors, ils vont aussi peut-être avoir de la data sur comment c'est la première fois qu'ils récupèrent un outstage, donc ils vont voir... peut-être comment il s'est comporté. Est-ce que le hot stage, est-ce que le démarrage des moteurs l'a endommagé, l'a fait fondre? Ils vont récupérer énormément de data très intéressante sur peut-être la dilatation. Allez, une belle table basse. Écoute, moi je voudrais bien récupérer, vu qu'on en parle, je sais que tout le monde s'en fout, mais je vais quand même le dire. Je voudrais bien récupérer une des ailettes de Starship de 3 tonnes là. Tu vois, les Grid Fins, Ten Green, 3 tonnes, et ça ferait un superbe table de salon. Tu sais, tu mets après du verre dessus. Voilà, 3 tonnes, là, la table. Putain, écoute, t'embauches quelques gros déménageurs, là, et ils te montent ça dans ton salon, 3 tonnes. T'espères pas passer à travers le plancher, là. Plancher plafond, tu vois, hein. Et ça ferait une superbe table de salon, tu vois, je pense. Non? Donc, ouais, ils ont récupéré le hot stage, à voir ce qu'ils vont en faire, pourquoi, comment, on n'en sait absolument rien. Bon, vous vous rappelez qu'on a eu un vol de Starship il y a 2 semaines. On a eu le vol 5, c'était il y a exactement 14 jours à peu près, 13 jours, c'était dimanche
il y a 2 semaines. Et c'est vrai qu'on est habitué quand même à ce qu'il faille du temps pour simplement remettre tout en état, les infrastructures, la paperasse, parce qu'il faut re-remplir des papiers. Et c'est vrai que là, bah, on s'était dit, bon, si on a un vol 6 avant la fin de l'année, ce sera déjà plutôt étonnant quand même, mais pourquoi pas, vu que tout s'est bien passé, ils avaient déjà la licence de tir, souvent, vous allez plus vous battre pour avoir la paperasse qu'autre chose. Et sachant qu'on a les Starship V2 qui arrivent l'année prochaine, à notre grande surprise, la semaine dernière, je crois que c'était samedi ou dimanche, donc il y a une semaine, alors vous savez que SpaceX n'est pas propriétaire de la route à Starbase. Vous voyez, entre là où ils produisent et là où ils tirent, il y a la route. Donc ils n'ont pas le droit de déplacer ce qu'ils veulent. Il faut fermer la route. Si on veut déplacer quoi que ce soit sur la route et qu'il faut la fermer, il faut demander l'autorisation au juge Treviso. C'est le nom du juge qui gère le county. Et que lui dise, d'accord, vous pouvez fermer la route. Et il faut aussi la présence du shérif du county pour fermer la route. C'est la loi, tout simplement. Donc SpaceX applique la loi. Et à notre grande surprise, samedi dernier, on voit passer la lettre du juge Treviso qui dit « Ouais, vous pouvez fermer la route samedi. » Il dit « Mais stupeur dans la communauté qui suit ça de près. » Il dit « Mais qu'est-ce qu'ils vont déplacer ? » Qu'est-ce qu'ils vont déplacer ? Alors, on se dit, il y a bien les chopsticks de la deuxième tour. La deuxième tour, ça avance, ils continuent de bosser. Donc, ils vont bientôt, on le sait, les chopsticks sont prêts à être déplacés. Ils vont peut-être amener les chopsticks. Il faut bloquer la route pour les amener. Et à notre grande surprise, lundi de cette semaine, c'est pas les chopsticks qu'ils ont amenés. C'est B-13. B-13, c'est le prochain Starship. Starship V1 pour le vol 6. B-13 a quitté la AIB en direction du pad. Ça veut dire qu'une seule chose. S'il va au pad, sachant qu'il a déjà, fait ses essais cryo, il a ses moteurs là, c'est pour faire un feu statique de 33 moteurs. S'il y a feu statique, ça veut dire qu'on va avoir un vol 6. Et si B-13 est déjà au pad, qu'il va falloir le soulever avec les chopsticks, ça veut dire que les chopsticks sont en excellent état, que le pad est fonctionnel, et que SpaceX estime que ils sont prêts à tirer. Et B-13 a quitté le pad. C'est assez incroyable, hein, parce que le vol, c'était il y a 2 semaines, quoi. On est dans un autre monde, quoi. C'est jamais vu, avec n'importe quelle fusée. À part les Falcon 9, on les a vus tirer très très rapidement, mais là, c'est pas une Falcon 9, c'est Starship, quoi. Donc on a B-13 qui est allé tranquillement. Et regarde les photos Tengreen, la Star Factory derrière, comment elle est belle maintenant qu'elle est... Ah, ça a de la gueule. Ça a de la gueule, le site, hein. Oh là 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 là, c'est... Ah, ça pue la classe, hein. Donc ouais, B-13 qui est tranquillement allé au pad. B-13 qui est le dernier Starship V1 de la série. Matez-le, magnifique. Donc ouais, vous savez qu'il y a juste besoin de 3-4 personnes. Hein. Un seul mec qui dirige l'entièreté avec sa petite télécommande. Et généralement, il y a un mec derrière, un mec devant pour ouvrir la route. Petite radio. Et vous avez juste besoin de 3-4 mecs pour déplacer le booster le plus puissant de l'histoire de l'aérospatiale. Facile, hein. Facile. Et très pratique aussi. Et là, vous avez B-13 qui est arrivé au pad. Donc c'est assez incroyable, hein, de voir... De voir ça, hein. Totalement fou. Hein. Ouais, il a fait... ne spoil pas, bien sûr, il a fait son faux statique hier. Donc ouais, matez un peu le monstre. Beau joujou, hein. Hop là. C'est pas le truc à plusieurs milliards de dollars de la SLS. La SLS est issue d'une autre génération en termes de façon de penser. Ils ont réutilisé beaucoup de choses qui existaient. Starship est plus moderne et mieux pensée pour la petite logistique de la réutilisation. La SLS, au mieux, tu vas en tirer une par an aujourd'hui, selon les prévisions, et encore, ça sera un moment plus pour moi. Starship va avoir vocation en 2025 à voler une fois tous les deux semaines ou trois semaines. Ils vont en tirer beaucoup de Starship. Donc forcément, il faut que les choses aillent vite au niveau des turnovers, feu statique, retour. Il faut que tout aille vite. Et ça commence à aller très très vite. Donc ouais... Matez un peu les photos, elles sont vraiment superbes. Hein. Je parlais du transporteur sur chenille, mais c'est exactement ce que je te dis. C'est qu'en termes de façon de penser, de travailler, la SLS est issue d'une autre génération qui est plus proche de la navette spatiale, où on tirait pas beaucoup, et où c'était pas un problème d'avoir des choses très lentes, qui coûtaient très cher, parce qu'on n'était pas pressé. Et chez SpaceX, on est pressé, on veut que ça aille très vite, donc ils ont adapté toute une chaîne logistique
pour que ça aille vite, tout simplement. Donc ouais, comme dit Hippo, on a eu notre feu statique. Ah non, j'ai oublié quelque chose, attendez! Oh, j'ai oublié quelque chose. Je vous parlais des coiffes. Quelqu'un me parlait des coiffes de Starlink. Regardez ça. La caméra, là, elle est à l'intérieur des coiffes, d'accord? Ce que vous voyez en argenté, là, c'est les satellites Starlink qui sont dans la coiffe. Donc la caméra que vous allez voir, on sait qu'il y a des caméras dans les coiffes. Parce que SpaceX a déjà montré des photos, des vidéos incroyables depuis les coiffes. Mais ça, ça avait jamais été montré avant. Regardez bien. C'est un truc de dingue. Ils sont malades. Je vous le remets, hein. Putain, donc, incroyable. C'est l'ouverture. Vous avez... C'est l'ouverture au moment où ils enlèvent les coiffes. Donc là, vous avez les satellites Starlink. Je vais vous mettre pause. Donc on a une vue du deuxième étage. Hop! Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc ce sont 20 satellites Starlink Mini, V2 Mini, et vous avez le deuxième étage avec la séparation. Écoutez, si tout ça c'est fake, je peux vous dire qu'ils ont des sacrés bons monteurs. Hein. Oh là 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 là, là. Incroyable, hein. Donc c'est la première fois qu'on voit en fait la vue du deuxième étage depuis une coiffe. Et l'image est vraiment superbe, avec le deuxième étage et l'autre coiffe qui est là-bas. Vraiment classe. Donc ouais, c'était simplement pour montrer la vidéo. Hop. C'est du After Effects sans aucun doute. Hein. Et donc B13 a été installé. Attendez, j'ai d'autres images. Tac. B13. C'est vrai, sur le pad, voilà. Hop. B13. Donc, on avait peut-être des doutes sur l'état des chopsticks. Les chopsticks, ils ont quand même récupéré un booster de 400 tonnes. 250 tonnes plus qui restait d'ergol. Eh ben, vous savez quoi? Les chopsticks, ils sont arrivés. Les chopsticks, ils ont pris B13. Et ils l'ont posé sur la table orbitale en mode YOLO. Tout va bien. Pour beaucoup tirer, Starship, SpaceX vont avoir comme obligation que le pad soit facile à remettre en état. Si à chaque fois que vous tirez Starship, il faut 6 mois de réparation pour le pad, bah votre système ne fonctionne pas. Ce qu'on voit là, c'est qu'ils sont en train de réussir à garder leur pad en excellent état. Puisque les chopsticks ont sans souci pris B13, l'ont mis là, ça veut dire que les chopsticks fonctionnent bien. Et on les a vus travailler les chopsticks, donc ça a très bien encaissé le vol 5, et on a eu cette photo incroyable, je l'ai utilisée pour la vignette. Il y a quelques photos emblématiques qu'on a eues de Starship, souvent prises un peu à l'arrache et tout. Celle-là, elle est incroyable. Le mec, là, au centre, ça vous montre la démesure. On a, comme je dis, j'essaye toujours de montrer la démesure que c'est Starship et les infrastructures autour. Là, le mec, il bosse à 85 mètres d'altitude, quoi, quasiment, sur les chopsticks. Et... on est à peine 2 semaines, mais c'est ça. On est à peine 2 semaines après IFT5. Personne n'y croyait que B13 allait aller au pad aussi rapidement. Moi, le premier, je disais, mais attends, c'est pas possible, ils vont pas amener B13, ils vont amener les chopsticks. Et matez-moi un peu l'engin, quoi. Ça encaisse mieux que PP, en tout cas, écoute, chacun ses problèmes. Hein. Après, personne n'a injecté plusieurs milliards de dollars aussi dans moi, Galpin. Tu peux, si tu veux. Hein. Donc ouais, matez-moi un peu la machine. Et ouais. Hop, ça, c'est le tweet d'Elon Musk. Je vais le montrer après. Et hier ou avant-hier, B13 a fait un faux statique. Ça, c'est du 33 moteurs. Même pas 2 semaines après le vol 5, on a déjà un booster. Let's go. Qui fait cracher la poudre. C'est fou. Ouais, ils ont envoyé la sauce, hein, là, les 33 moteurs. Ils ont la confiance maintenant. Let's go. Je pense qu'ils ont la confiance. Et voilà, quoi, tout simplement. Hein.
Et donc ouais, vous savez que là, au moment où je vous parle, B13 est déjà retourné au hangar pour ses préparatifs de vol. Vous pouvez pas juste le laisser mettre Starship et tirer, d'accord? Il y a des préparatifs à faire pour le vol sur le booster. Ça prend quand même un petit peu de temps. Et donc là, B13 est déjà rentré hier au hall d'assemblage. Raptor 2, non, Raptor, il n'y a pas encore de Raptor 3. C'est que du Raptor 2 pour le moment et les Raptor 2 volent super bien. Là, à McGregor, là où ils testent les Raptor 2, je crois que Tengrin, ils ont allumé un Raptor 2 24 fois à la suite pour le casser. Ils ont éteint, rallumé, éteint, rallumé, éteint, rallumé, c'était du jamais vu. Et ils ont fait ça pendant un bout de temps, le pauvre Raptor, juste pour le tester en fait, pour voir jusqu'où il peut aller en limite. Et après, ils ont recommencé le lendemain 12 fois, je crois, ce qui est assez fou. Donc ouais, qu'est-ce que je vous dise? On va avoir un vol, sachant que S31, donc le partenaire de B13, a déjà fait ses vols cryo, son feu statique. Et il y a Musk qui a juste dit le vol 6 arrive bientôt. Voilà. Alors faut qu'on parle de ce qu'a fait Musk avant-hier. Vous savez que Musk joue à Diablo 4. Musk est un des meilleurs joueurs au monde de Diablo 4. Musk, il est dans le top 50, je crois, en termes de stats. Il doit se détendre la nuit sur Diablo 4. Voilà. Et souvent, il stream sur Twitter. Donc sur sa plateforme. Il stream sur Twitter, Musk, du Diablo 4. Et à je sais pas quelle heure, Musk, en même temps, jouait à Diablo 4. Et il était avec à écouter le débrief, la réunion débrief du vol 5 de ses ingénieurs de SpaceX. Donc il faisait deux choses en même temps, trois choses, il streamait. Il était en train de faire monter ses stats sur Diablo 4 et il était en convé. Donc vous entendiez sur le stream les ingénieurs de SpaceX qui commençaient à causer et tout ça, entre eux, des machins. Et à un moment, il y a un mec qui balance. Ouais, bah, on était quand même à une seconde d'envoyer le booster se crasher à côté de la tour. Parce que ça, on n'était pas trop content de ce qu'on voyait. Et on... Oh putain! Donc, on a eu une récupération du booster pendant le vol 5. On est passé à ça d'avoir le booster qui se crashait à côté de la tour. Hein. Parce que c'est les ingénieurs de SpaceX qui le dit en live. Il sait peut-être pas que Musk était en live à ce moment-là! Mais voilà! C'est Musk! C'est Musk, faut pas chercher à comprendre. Donc, ouais, en tout cas, on va avoir un vol 6. Et sans aucun doute qu'ils vont essayer. Ils vont essayer de refaire la même chose. Il y aura, après, comprenez que B13, aucun booster n'est pareil. Tous les boosters sont différents. Mais vous avez ce que je vais appeler des tranches. Donc, vous avez des V1. Donc, dans les 10 boosters qu'on a eu en V1, les 10 boosters étaient différents. Avec parfois des milliers de différences techniques. Mais ça restait la même tranche. On va bientôt passer en V2. Avec là, on aura 35 moteurs Raptor dessous au lieu de 33 et 9 moteurs Raptor au-dessus. Ça va être vraiment un énorme changement où le programme va aussi changer par rapport aux objectifs. Donc là, je pense que ce vol est un peu un vol extra pour SpaceX pour récupérer de la data, essayer de refaire la même chose avec succès. Sachant qu'on a déjà. Ça, c'est la première photo, c'est sorti tout à l'heure. C'est la première photo Tengrin de S33. Premier Starship V2 entièrement assemblé. Il a fini le stack. Regarde les flaps. Ils sont beaux. Oh là 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 là! Avec Raptor 3, le Starship V2, c'est une bonne question. Je pense que non. Je pense qu'ils n'ont pas assez de Raptor 3 encore. Et peut-être qu'ils basculeront sur Raptor 3, mais j'ai vu nulle part la confirmation qu'il y avait des Raptor 3. Et on n'a pas vu de Raptor 3 non plus arriver à Starbase. Il faut quand même une grosse quantité de Raptor 3. Et je pense qu'ils sont encore sur Raptor 2 parce qu'ils en ont trop de Raptor 2. Peut-être qu'ils basculeront, je pense qu'ils vont basculer sur Raptor 3 l'année prochaine. Mais pour le moment, je pense que des suppositions qui sont encore sur Raptor 2. Tout simplement. Donc ouais, voilà donc ça, la photo, elle date de cette nuit, je pense. Et c'est la première fois qu'on a un Starship V2 entièrement assemblé. Donc vous noterez les flaps. Vous vous rappelez qu'ils avaient rencontré des problèmes avec les flaps? Bah là, vous avez les nouveaux flaps qui sont beaucoup plus fins. Et qui possiblement vont beaucoup moins prendre lors de la réentrée. Moins vous avez de résistance et de surface, moins ça chauffe. Donc là, le but va être de mieux protéger les flaps et d'éviter d'éviter les problèmes thermodynamiques au moment de la réentrée. Donc ouais, c'est le. Et il y a même la peste d'or. Allez savoir s'ils vont pas essayer de.
Je sais même pas à quoi ça correspond, ça, peut-être. Non, ils ont pas encore... non, je pense qu'ils ont pas encore mis les tuiles, peut-être. Non, ça ressemble à la Dor, hein. Aucune idée. Il est parti pour Massé, il me semble. Il est déjà parti! Vous vous rendez compte à quel point ça va vite? Ça va très vite, hein. Je peux vous dire que l'année prochaine, imaginons qu'ils font encore un vol 6 parfait, qu'ils récupèrent le booster sur le vol 6, ça serait incroyable qu'ils fassent ça. T'imagines, Tengrin, en un mois et demi, il récupère deux fois deux boosters différents. Putain. À un moment, ils vont avoir trop de boosters, hein, ils en ont déjà trop. Ils vont récupérer l'acier, hein, forcément. Bon, ils vont démonter tout le merdier, et voilà. Donc ouais, on sait pas trop. Ça va voler prochainement. On va avoir, avant la fin de l'année... Moi, je pense en novembre. En novembre, on va avoir un nouveau vol de Starship. Ce qui est absolument génial, hein, on est heureux. Hein. On va voir Starship voler. Et sans aucun doute que... Après ce sixième vol, on aura une pause. On aura une pause parce qu'après, ils vont basculer sur du V2. Et il y aura une pause à faire pour les infrastructures. Le deuxième pad n'est pas encore fini. Et on verra... Je pense qu'on va avoir plusieurs mois de pause. Le temps peut-être de finir le deuxième pad. Et basculer sur le V2. On verra. En tout cas, donc c'est peut-être le dernier vol, je pense, de l'année, sans aucun doute. Et ce sera le dernier vol du V1. Avant de passer dans une nouvelle phase du programme. Où là, on va commencer à viser de l'orbite. Et peut-être, sans aucun doute, récupération du ship Q1 2025, récupérer le booster et le ship, mais pour ça, il va falloir deux pads opérationnels, très probablement. Putain, et si Tengrin, si Q1 2025, imaginons en avril, mars-avril, les deux pads sont complètement opérationnels. Ok ? Ils tirent. Ils tirent depuis... Allez, qu'importe le pad, ils tirent. Techniquement... Avec les deux tours et les deux jeux de chopsticks, ils peuvent récupérer le booster dès le lancement. Et une heure et demie après, ils peuvent récupérer le ship. Et je pense que c'est ce qu'ils vont essayer de faire. De récupérer les deux avec les deux tours. Ah, ça va être pas simple, ça, par contre. Ça va être beaucoup. Donc, encore plus compliqué de ce qu'ils voulaient faire de base. Ouais, mais c'est techniquement faisable. Tu sais, déjà, récupérer le booster et poser le ship au mètre près dans l'océan Indien était en soi... aussi totalement dément en termes de complexité technique. Et ils l'ont fait, j'ose pas dire sans trop de problèmes, parce que ça nous semble simple, mais ça l'est pas du tout. Eux-mêmes, d'ailleurs, étaient prêts à... Nous, on a regardé ça à la télé en mode incroyable, mais je peux te dire que les ingénieurs ont dû avoir des sueurs froides en regardant les... Quand ils ont vu tout le bloc des composants exploser et tout. Putain, on peut pas le poser, là, le machin. Totalement fou. Mais on va avoir une année 2025... incroyable pour Starship, avec une accélération du programme qui va être folle, je pense. Surtout avec quand ils vont avoir deux pads. On sait qu'ils ont déjà les Starship. Les Starship, ils les produisent, les moteurs, ils les produisent. Leur goulet d'étranglement aujourd'hui, c'est les infrastructures avec les pads. Donc là, le deuxième pad, il avance bien. Avant la fin de l'année, on aura les chopsticks sur la deuxième tour. Et après, ça va aller très très vite, connecter tout ça à la ferme. Et ouais... J'ai hâte de voir deux Starship au pad en même temps. Ils feront la photo OP à un moment, vu qu'ils les auront. Voilà. Mais c'est ça, ils ont raison. Une des raisons de pourquoi ils veulent avoir autant de hardware et de beaucoup tirer, c'est qu'à un moment, on va avoir ce que je vais appeler un double événement. Ils vont sûrement tirer deux fois en 2-3 jours. Pourquoi ? Parce qu'ils sont payés par la NASA pour faire du ravitaillement aérien. Pour faire simple, du ravitaillement dans l'espace. Mais vous m'avez compris. Ils vont prendre deux Starship pour venir se coller l'un à l'autre pour faire passer des ergols, pour simuler une mission de ravitaillement. Mais pour faire coller deux Starship l'un à l'autre, il va falloir tirer deux Starship. Et vu que le comportement des ergols est compliqué en orbite, il va falloir tirer les Starship sur des délais extrêmement réduits. Pas un Starship et attendre 3 mois. Il va falloir tirer un Starship et attendre une semaine. Donc il y a un moment où on va avoir... deux Starship en une semaine, en 2025. J'en suis convaincu. Parce que c'est dans leurs objectifs. Et voilà. Bon. Je m'arrête là. La semaine prochaine, on aura de la news. Hein. Ils peuvent... normalement, si on suit le planning de Starship, de comment ils travaillent, ils peuvent tirer dans 3 semaines. Même pas, peut-être. Vu qu'il s'améliore à chaque fois, tout va de plus en plus vite. On a des nouvelles du pad en Floride. Le pad en Floride est en pause. Toute la priorité est mise sur le deuxième pad
à Boca Chica. Et le pad en Floride et la Star Factory sont terminés. Alors les pads sont pas terminés, loin de là. Hein. Mais ça peut s'accélérer très vite en Floride. À l'instant où ils considéreront qu'ils ont atteint un rythme suffisant à Boca Chica avec les deux pads vite finis et la Star Factory opérationnelle, et que ça vole régulièrement de Boca, ils mettront tous leurs efforts en Floride. Et on aura un troisième pad en 8 mois, quasiment, je pense. Voilà. Ce qui est déjà assez incroyable quand on y pense. Hein, c'est totalement fou. Hein, mais voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. Ten Green, merci de ta présence. Et t'en penses quoi, toi, Ten Green, de tout ça, là, de cette accélération? Parce qu'on peut pas ne pas voir l'accélération en 2024, quoi. Ça accélère. Mais bon, moi, j'attends de voir les réussites et qu'on se retrouve sur des vrais vols. Pour l'instant, on est vraiment toujours sur les phases prototypes, quoi. Ouais, on est sur du suborbital, faut pas l'oublier. Le but de ces vols, c'est de clairement récupérer de la data, travailler la réutilisation. Déjà, ils ont réussi à récupérer le booster sur le fil du rasoir, mais ils ont réussi, ils vont beaucoup apprendre. Mais on est encore sur des vols en suborbital, sans charge utile. Après, ils sont en vélocité orbitale, mais ils ne vont pas sur une orbite viable de charge utile. Donc ouais, je pense que l'année prochaine, on va avoir à un moment des vols de Starship où ils vont aller en orbite, puis redescendre juste pour... parce que c'est la suite logique du programme en termes d'évolution. Mais pour ça, il leur faut un Starship V2, je pense, avec plus de punch. Voilà. On verra bien. Bon, écoutez, on s'arrête là. Ce soir, je ferai du Divide and Conquer. On continuera le run avec les Dunedin. Demain, je continuerai mon run avec Alexandre en début de journée. Et en soirée, pas trop tard, peut-être vers 18h, je ferai du Divide and Conquer avec les elfes. Il y a le Grand Prix de Formule 1 du Mexique en soirée. Mes obligations de boomer, vous savez, faire la sieste. Et voilà. L'année prochaine, ils tireront du Starlink avec le Starship. Je pense que oui. Je pense que l'année prochaine, on aura les premiers vols. Quand ils seront confiants avec Starship, ouais, on aura les premiers Starlink V2 qui vont être... Starlink V2, ouais, pas les V2 mini, les V2 normaux, qui seront déployés, ouais, sans aucun doute. Et parce que Starlink, pour son développement, a besoin de ces nouveaux satellites. Voilà, bon, écoutez, passez un bon week-end, bonne journée. Bon week-end à tous. Pour ceux qui veulent que l'espace, rendez-vous la semaine prochaine.